Bonsoir, bonsoir à tous, c'est Lionheart et on est ensemble pour quelques heures sur Dokkan Battle. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. J'espère que vous avez passé une bonne journée, etc. etc. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler un peu du portail de demain, le portail de Jiren. Donc, la question m'a été posée quelques fois sur. sur Discord, je vais dire un milliard de fois, mais bon, je retiens un tout petit peu désiré quand même. Du coup, on parlera de ça, on va farmer un petit peu, puis du blabla comme d'habitude. Voilà, si vous êtes là, vous êtes habitué au format. En général, les gens qui arrivent au début, c'est que les gens sont habitués quoi. Alors, salut à Easy Reaper, salut à Whispering Sea, salut à Fat Chocobo. Salut ma grosse baleine. Coucou à toi Roman, comment vas-tu? Salut à tous. Et merci Demon Chaotique pour le follow. Bienvenue à toi, bienvenue à la communauté. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, ainsi que sur Twitter, ainsi que sur la chaîne YouTube. Et sur la chaîne YouTube, c'est surtout pour les revives de live. Il n'y a pas de vidéo travaillée, etc. etc. C'est vraiment pour les revives. Ah ouh, The Reaper. Ah ouh. Alors, on va attendre que le monde arrive. On va parler un peu du portail de demain. Pourquoi, je vais vous dire pourquoi moi, j'invoque pas dessus. Pourquoi ça m'intéresse pas, etc. etc. Et ensuite, bah voilà, le farm comme d'habitude et puis le blabla habituel. Alors, comment allez-vous les gens? Salut Vilmandara. Vous me dites hein, si le son est pas trop fort. Je voulais d'abord remercier les gens qui étaient là hier sur le live d'hier. La toute nouvelle aventure sur Seven Days to Die. Les gens qui étaient là, on a eu un bon retour. Donc merci à tous, j'ai eu quelques messages pour me dire que c'était cool, que ça changeait, etc. etc. Et que ça faisait du bien de voir moi et les modos sur un autre jeu à part. Donc voilà, ça c'est cool. Salut Koubi. Alors, du coup, qu'est-ce qu'ils nous disent, Reaper? Mon frère Sparang voudrait être ici, mais il est actuellement à l'école. Ok. Ils sont en train de faire ses examens. Ok, The Reaper, good luck for your brother. Good luck for this exam. Ouais, ça fait plaisir de savoir que les gens ont aimé le live d'hier, donc c'est cool. On n'était pas extrêmement nombreux, mais c'était sympa. Donc moi, tant que les gens prennent du plaisir et puis que moi je m'amuse de mon côté, personnellement, c'est que voilà, ça va continuer comme ça. Pas de baleine dimanche prochain, ok baleine. Toujours cet anglais de qualité, bien sûr, très cher Roman. Un anglais, comment dirais-je, digne de Shakespeare, hein, be or not to be, etc., tout le bordel, quoi. Farm or not to farm, geek or not to geek, c'est la question. Je farm, donc je suis. J'aurais bien t'y voir, toi, en anglais. La prochaine fois, quand tu viens en vocal, hein, on verra si ton anglais est meilleur. Hein. Bon, j'ai aucun doute que ton anglais soit meilleur, hein, de toute façon. Je viens d'entrer dans ton Discord, bah merci Evil Mardara. Merci à toi. Je viens quand tu veux. Bah t'es la bienvenue, hein, t'es la bienvenue sur le live. Quel que soit le jour, hein, même maintenant, hein, si tu veux venir en live, en vocal, tu peux venir en vocal, y a pas de souci. D'ailleurs, pour les modos, pareil comme d'habitude, hein, si vous voulez venir en live pour le vocal, justement, on va avoir une discussion aujourd'hui sur le portail de demain. J'aimerais des gens avec des comptes sérieux qui veulent invoquer demain et d'autres qui ne veulent pas invoquer. Mais je parle pas d'un mec qui joue depuis 2 mois un Kiku re-roller. Donc, s'il y a des gens sérieux qui ont envie de discuter de ça, vous êtes les bienvenus en vocal. Mais vraiment, on parle de gens sérieux, hein, on parle pas de Jean-Michel Reroll. Hein, qui va faire 18 rerolls demain pour invoquer sur Jiren. Salut Rierne.
Pour le winning de final game of the Premier League Arsenal won finally final game for the club. Y a pas de souci, Roman, tu viens quand tu veux, y a pas de problème. En tout cas, bon app à toi hein, quand tu vas aller manger. Moi, tu vois, je le dis tout de suite, comme ça j'oublierai pas. Demande plutôt un mec qui veut invoquer parce que mon avis est relativement le même que le tien. On est d'accord, Baleine, on est d'accord. Chelsea destroyed by Newcastle. j'arrive et on parle de Jean-Michel Riol. Ah non mais c'est pas pour toi Ryan, c'est pas pour toi. Quand je parle de Jean-Michel Riol, c'est dans la généralité. Hein. Bon, je vais quand même faire mes petits events comme ça vite fait en parlant. Arsène Wenger is a great manager. Yes, he's a legend. Bonsoir Merouette, comment allez-vous? Comment vas-tu? Préparation, on va aller faire les petites orbes. Bonsoir mesdames, au cas où aujourd'hui on a une dame, c'est sûr. Hein, on a Roman qui est sur le live. Qui est bien seule en ce moment sur le live en tant que représentante de la gente féminine. On en avait quelques-unes avant, mais malheureusement, elles n'ont pas continué d'Okan. Du coup, elles n'ont pas continué à suivre le live. Askip, c'est toi. Moi, ça va tranquillou, Mirouette, merci. Puis, tiens, on va essayer d'utiliser la team. Est-ce qu'on peut aller partir en la team magie? Allez, un petit Végéta quelque part? Est-ce qu'il y a un petit Végéta qui traîne quelque part? Ça serait cool. Allez, dans les amis, un petit Végéta. Non? Pas de Végéta? Bon. J'ai vu un SJ3, je pense qu'on va partir en SJ3. Top 1, t'es bien dans ta catégorie. Eh ouais. Ah bah bien sûr, quand c'est une nana et qu'elle est top 13, c'est une grande performance. Moi je suis top 7, tout le monde s'en branle. On a compris. Non mais je vous retiens les gars, je vous retiens, c'est toujours pareil. Dès qu'il y a une gonzesse, ça y est, c'est fini, les mecs ils sont ils en peuvent plus quoi. Bande de putes. Vous êtes des girouettes, les mecs! Voilà. Pam. Pas vraiment, je prends pas assez bien le vent pour être une girouette. À mon avis, tu dois avoir une sacrée prise au vent, Akubi. Tu dois avoir une sacrée prise au vent. Bon, les gars, en fait, j'annonce. Hein, salut Skyrose. J'annonce. Hein, le béton, c'est fini. Sur ces Monday, j'ai fini l'intégralité des murs. Et j'ai fait 90% des pics. Bref, vous aurez la surprise dimanche prochain. Ou peut-être avant. Peut-être avant pour ceux qui viendront faire un tour sur le serveur. J'ai pas réussi à dormir, du coup, ben voilà, je suis parti faire un peu. Oi oi! Salut à toi, oi oi! Merci Skydraz pour le follow! Bienvenue à toi, bienvenue dans la communauté! Pam 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 p
Salut Cazol. Et salut à toi Wizbot, hein, toi qui travaille pour moi gratuitement tous les jours. Salut Fat Chocobo. Ah non, je t'ai dit salut à toi. Salut Angie, comment vas-tu? Les gars de Mongol que tu fais? Bah ouais, forcément, hein, avec ma team, c'est des gros persos, donc forcément ça tape dur. J'ai quand même un compte assez avancé avec beaucoup de doublons. Donc forcément mes personnages, bah ils ont de quoi faire mal. Comment vas-tu Angie? Salut Briax. Mon petit run là, et ensuite on ira faire un tour dans la box et je vais vous expliquer pourquoi moi je n'invoquerai pas demain sur Jiren et pourquoi si les gens ont un compte dans le style du mien, c'est pas forcément très intéressant d'invoquer. On en reparlera juste après. Allez Goku crit. Pam 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 pam. Ah bah y'a Roman qui va pull. Y'a Whispering qui hésite. Tiens bah Roman, tiens, du coup pourquoi toi tu vas pull demain sur le portail? Salut Solis. Pour une fois qu'on me demande pas de voir ma box, pour une fois que c'est moi qui vous la propose. Alors en ce qui concerne le Goku Ultra Instinct, je l'ai pas non plus, hein, les gars. J'ai pas Goku Ultra Instinct et j'ai pas Jiren. C'est les deux seules cartes qui me manquent sur le portail. J'ai une Caulifla à 90%, j'ai une Kale à 90% et j'ai une Kefla à 60%. Pourquoi moi ça m'intéresse pas de pool? Parce que je risque vraiment de trop avoir de doublons. Sur des cartes que j'utiliserai peut-être pas, ou alors sur des cartes qui n'ont pas forcément besoin de plus de 2 ou 3 dans le truc. Si vous vous manque 3 ou 4 persos, là c'est intéressant d'aller pool. C'est vraiment le moment d'aller pool sur ce portail là. Par contre, si vraiment vous avez Kale, Caulifla
ou si ça vous-même, si, si vous avez Goku, alors il y a plusieurs cas de figure. Si vous avez, si vous voulez poule que pour Jiren, moi je vous conseille de poule en septembre sur Jiren, quand il y aura justement, il va revenir sur le portail du Vegeta Kawaii, le Vegeta Paillette, le Vegeta Gay Friendly, qui lui du coup, ça serait sur un portail intéressant avec un personnage exclusif, donc le Vegeta. Je vais poule, j'espère ne pas avoir Colifla, je l'ai 100%. Ben voilà, c'est ça le danger. C'est ça le danger. Honnêtement, moi quand j'ai des personnages 100% sur, une, sur un portail, j'hésite énormément à poule sur ce portail. Il n'y a pas grand intérêt à aller vendre des persos chez Baba, tu vois. C'est ça le, problème. Et du coup, voilà. Voilà pourquoi moi je vais pas poule demain. Parce que j'ai, alors, j'ai déjà la Cafla, j'ai déjà la Calée avec 3 doublons. Et j'ai déjà Colifla. Pareil, Colifla qui est. Qui est là. Qui est là, qui est déjà speedy, 4 doublons également. 3 doublons également. Donc là, c'est pas très intéressant. Par contre, Freezer, il sert à rien. Honnêtement, je vous le dis, Freezer, il sert absolument à rien. Jiren il revient en septembre, Goku reviendra aussi. Personnellement moi je poulerai sur un portail où il n'y aura pas que les flats, Colifla, Calais, etc., etc. Moi c'est mon avis personnel, après je force personne à partager même avec moi, je vous le dis. Mais moi personnellement je poulerai sur un portail plus sûr. Les DS c'est pas de l'eau malheureusement. Ça coûte quand même une couillasse. Hein. Là il y en a pour 500€ de DS, là, hein, vous voyez là. Il y en a pour à peu près 500€ de DS ici. Voilà. Moi personnellement, j'irai pas pool. Après, il y a des gens qui vont pool pour. Pourquoi tu dis Freezer il sert à rien? Parce qu'il sera, il est pas joué le Freezer. Le Freezer tu le trouves pas en leader ami. Les cartes que tu trouves pas en leader ami, c'est pas très intéressant, Mozart. Honnêtement, je vais vous dire la vérité. Hein, pour l'instant, les seules cartes intéressantes à pool, ça reste les deux LR des 3 ans. Eux ils vont être joués pendant 6, 8 mois, 1 an. C'est un peu pour ça. C'est un peu pour ça que moi je vais pas me faire chier avec ce genre de perso. Oui c'est des persos intéressants, oui c'est des persos qui ont un certain charisme. Mais malheureusement ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas à les rendre intéressants à gaspiller les DS dessus. Personnellement, c'est mon avis. Après, chacun partage l'avis qu'il veut. Hein. Comme j'ai dit, je ne force personne à partager le mien. Mais c'est pour cela que moi, je le ferai pas. Il faut bien se projeter. En fait, quand vous avez pool sur un perso, il faut se poser plusieurs questions. Est-ce que je vais le jouer? Est-ce que ce perso-là est rentable? C'est-à-dire, est-ce que ça vaut le coup de claquer des DS dessus est-ce que je vais pouvoir le jouer pendant assez longtemps? Donc, est-ce que je vais pouvoir rentabiliser mon perso? Bien sûr, est-ce que j'en ai envie hein, parce qu'il y a toujours l'envie, hein, ça reste un jeu. Est-ce que ça va pas niquer un peu mes projets dans Dokkan Battle c'est-à-dire, est-ce que parfois, il faut pas se montrer un peu raisonnable et ne pas pull sur un portail pour avoir mieux sur un autre? Et du coup, se priver d'une carte peut-être. Et encore, hein, les cartes viendront sur notre portail, mais se priver d'une carte pour pouvoir continuer à jouer dans de bonnes conditions. Les gens qui vont pas avoir les LR ou alors des teams jouables avec les LR en septembre, bon, les gens qui n'auront pas fait l'effort d'économiser vont s'en mordre les doigts, je vous le dis. Sur la JAF, ça a été comme ça. Tu sais, c'est les invoques de Vegeta et de LR, il y avait une multi gratuite après. Non, mais sur la JAF, ça n'existe pas, ça, Bolzar. N'existe pas sur la JAP les multi gratuites, les machins comme ça. Ça c'est typiquement global, hein, les trucs gratuits, machin. La JAP ils sont beaucoup moins généreux là-dessus. Là ils viennent seulement d'installer les tiers garanties sur la version japonaise, hein, donc c'est pas encore d'actualité sur la version globale, mais voilà, ils sont quand même. Pas très généreux hein, sur la version JAP en général.
Après, sur la globale, on sait pas encore la gueule des persos. Il y aura peut-être d'autres persos que les persos. En plus des LR, il y aura peut-être d'autres persos que les persos annoncés. Il y aura peut-être d'autres persos que les Goku, les machins, etc. On va voir la tête des portails. Si ça se trouve, dans nos portails à nous, il y aura Vegetotech. Hein, il y aura SVTech, on ne sait rien. Enfin, VBTech plutôt. VegetoBlueTech, on ne sait pas. On sait pas à quoi ressembleront le portail. On a eu plein de portails qui étaient totalement différents des portails de la japonaise. Hein. Le portail Gotenks, par exemple, sur la Jap était un peu moisi. Par contre, sur la globale, il tuait sa race. Quoi. Sur la globale, t'avais Goku SSJ 4, Goku SSJ 3 dans le portail Gotenks. Alors que sur la Jap, t'avais que des persos de merde. Alors que nous, on a eu un portail de ouf. Quoi. Il y a eu plein d'exemples comme ça, hein, avec d'autres portails qui ont été modifiés. Donc c'est bien possible que le portail des 3 ans soit modifié. Donc là-dessus, on s'avance pas trop. On verra bien ce qu'il y aura dedans. Mais rien que le fait d'avoir les LR dans le détecteur, et bah ça se tente. Hein. Ça se tente. Personnellement, moi, je vais le tenter. Et c'est pour cela que moi, personnellement, je préfère avoir le plus de DS de côté pour les 3 ans. Ça se peut que je me plante, hein, ça se peut que j'ai rien, hein, mais je prends le risque. Si ça se trouve j'aurai 0 DS, enfin j'aurai 0 ICC en tout cas comme toi, bah je veux dire tu vois. On ne sait jamais. Mais c'est pour ça que moi j'ai tenté ma chance de cette façon là. Donc après il y a des gens qui vont invoquer demain qui je pense ne devraient pas, mais bon après ça c'est un choix. Le maître lion. Je suis pas un maître hein, loin de là, mais voilà. J'ai une certaine expérience sur Dokkan Battle. Mais en général, quand je vous ai conseillé ce genre de choses sur les portails, je me suis jamais planté. Ça fait un an que je fais des lives. Ça fait un an que je fais des lives et je me suis jamais planté. J'ai eu 800 DS, 0 SSR, hein, Whispering. 800 DS, 0 SSR. Salut BDL et salut LG Gangazé. Comment vas-tu? Donc c'est tout à fait possible, hein, Whisp. Hein. C'est peu probable, mais c'est possible. Non, je compte pas les nécessaires garanties. Je compte pas les nécessaires garanties, hein, Whispering. Sinon, c'est une arnaque. Quand j'ai fait le portail Migate no Gokui, justement, tiens, on en revient à ça. Le portail Migate no Gokui, il n'y avait pas les nécessaires garanties. Il n'y avait pas de nécessaires garanties. J'ai mis 800 DS. Sur le portail même, j'ai eu 0 SSR. J'ai eu des tickets par la suite qui m'ont fourni des SSR, mais sur le portail, sur 800 DS, 0 SSR. Donc voilà, ça arrive quoi. Non, a priori, c'est ça garantie sur les 3 ans, donc je prends... Il n'y a rien qui dit c'est ça garantie sur les 3 ans, Whispering. Pour l'instant, il n'y a rien de garanti, hein. En tout cas, sur le portail Jap, c'était pas si ça garantit. Hein. Bah, disons que là, pour le coup, vous voyez, les persos habituels ont disparu. Par contre, Goku est toujours là. Végétal continue à le voir encore. On a beaucoup de LR, on a une petite recrudescence hein, des SSJ3 qui revient un petit peu tout doucement. On a du Migaté, on a du Goku et du... en général, on a du Goku et du Gogeta, un peu de Vegeta. Quand ça va être les LR, ça va être 80% de vos amis leaders se feront les LR. Je vous le dis, ça va être chiant. Mais ça va être comme ça, 80% de vos amis, voire 90% de vos amis leaders, ce sera les LR. Si tu peux pas pull sur les LR parce que t'as tout claqué avant les 3 ans, bah ça va poser problème. Ça va poser problème. Donc moi je vous conseille personnellement, pour ceux qui peuvent, de stocker un grand nombre de DS pour les 3 ans, et pour ceux qui peuvent pas, d'en stocker au moins un minimum. C'est-à-dire, là, normalement, s'il y a moyen d'avoir encore 300 DS, si t'en as 100 de plus que tu gardes d'aujourd'hui, que t'invoques pas demain, c'est 2 multi-invoques de plus, quoi.
après c'est à vous de voir, à vous de choisir. En sachant que demain c'est sa garantie, mais à partir de septembre, ça sera aussi et c'est sa garantie. Les gens voient sa garantie de demain comme une. En fait c'est un piège à con, je suis désolé de vous le dire. Et c'est vraiment un piège à con, ils vont vouloir faire claquer les DS pour les gens qui vont économiser. Justement pour pouvoir. Pour faire assez leur promo quoi. Enfin on en reparlera, mais vous verrez que. D'ici. En septembre par exemple, en octobre. En octobre t'auras plus de Jiren, t'auras plus de Bougie, t'auras plus de tout ça, t'auras que des LR. Et tu auras quasiment que des LR, tu vois. Ouais, je parle de Goleta Vegito, Jim. Il y a eu par exemple, il y a eu Thalès qui est arrivé après. Thalès a fait flop quoi. Les gens ont continué à jouer les LR. C'est ce que je te dis, ça va être que ça dans nos amis leaders. Ça va être que ça dans nos amis leaders et malheureusement ceux qui n'ont pas préparé des teams pour jouer avec les LR en amis par exemple, je parle même pas d'avoir que les LR en amis hein, mais au moins d'avoir des teams pour jouer les LR en amis quoi, tu vois, va falloir les choper sinon tu pourras pas jouer, si tu pourras quand même jouer, mais il faudra jouer des teams fusion, il faudra jouer des trucs comme ça quoi, tu vois. Il faudra jouer des teams qui ont un rapport avec ça. Moi j'espère bien les avoir hein, Mozart. C'est pour ça que j'économise depuis tout ce temps. Hein. C'est pour ça que j'économise mes DS. Salut Chris. Après si je les ai pas, je les ai pas hein, que veux-tu, c'est moi je suis préparé à pas les avoir hein. De toute façon je suis habitué. Je me suis tellement fait pisser dessus sur Dokkan Battle par le jeu. J'ai vraiment l'habitude hein, de me rétamer sur les portails. Ce n'est pas la première fois. Bon, j'ai quelques DS à récupérer. Termine n'importe quel niveau 5 fois. L'événement d'Okan. Je vais faire les trucs des événements d'Okan. Alors, est-ce qu'il y a Végéto aujourd'hui? Normalement, il y a Végéto dans le coin. Hop. Je vais aller farmer quelques doublons. Et du coup, par la même occasion, je vais aller chercher les DS. Ah merde, qu'est-ce que j'ai fait? Oh le boulet. Je suis parti avec la team. LOL.
Je suis parti avec la mauvaise team. Putain. C'est pas grave, on va tenter de le faire. Hein. C'est pas grave. Ça risque d'être compliqué quand même. Hein. Ça risque d'être compliqué. Alors, just for additional characters. Je sais pas comment on dit. J'expédie le végétal qui pourra passer en TUR, j'espère, quand on aura les médailles, tout simplement. Alors, est-ce que j'ai des liens là-dedans? Oh la vache. Le boulet de l'espace, les mecs. Le Goku juste avec son lead à lui, hein, il vient de mettre 1,6 million, hein, le mec il met 1,6 million en crit juste avec son lead à lui. Mille ACT et seulement SP8. J'ai mis tous mes persos, j'ai mis tous mes végétaux SP10, Mozart. Comment t'as fait? Tous mes persos sont. J'ai des SP10 déjà. Hein. Tous mes végétaux sont SP10. Sauf le LR que j'ai doublon là. Ouais, je vais live demain soir, ouais. Je live tous les soirs de toute façon, hein, donc. Pourquoi cette question? C'est pourquoi Jiren? Normalement, Jiren, c'est demain. Hein. Normalement, c'est le 15. Si je ne m'abuse, c'est pas de bêtises. Hein, mais... Ah, pas de soucis, Roman, t'inquiète pas. Je live tous les jours, hein, de 20h à 22h30, 23h, et le week-end sur tout après-midi sur d'autres jeux. Donc tu viens quand tu veux, y a pas de souci. Alors qu'est-ce que je voulais dire? Jiren, festival local Jiren. Donc demain un nouvel événement normalement. On se veut dater. Et ensuite on aura. La saga. On aura la suite de la saga, on va pouvoir farmer Kali, Colifla, Kafla. Ouais, donc c'est le 16. Hein. C'est annoncé le 15, donc c'est pas demain, c'est le 16. Le 15, c'est en heure PST. Donc c'est le 16, hein, les gars. Pareil pour l'Ultra Instinct, c'est le 16 également. Donc c'est pas demain les gars, c'est mercredi. Nordax qui l'a dit, bah t'as pas besoin de Nordax pour relire, hein. C'est annoncé sur le jeu.
C'est annoncé sur le jeu, Chris, hein, pas besoin de Nordax, hein, regarde, c'est là, c'est écrit là. Du 15 au 3, donc c'est du 16 au 4. Alors, on aura aussi quelques promos. Et 6 fois quand même les 91. Hein. Moi, je vais prendre celle-ci, je vais prendre celle-ci et celle-ci. Par contre, là, les 91, je ferai l'impasse. Bon, ça, c'est les portails de merde, hein, où les gens... J'ai pas compris que les gens ont invoqué ces portails-là qui sont... Voilà, quoi, bref. Catastrophique. Ah oui, c'est vrai, on voit plus ma souris à l'écran. Ah merde. D'habitude, on voyait ma souris à l'écran. Et excusez-moi, je dis celle-là, c'est celui-là, celui-là. Et vous voyez pas pointer les trucs. Effectivement, dit. Je vais prendre toutes les promos sauf ceux 91. Ou alors peut-être prendre une ou deux promos 91, je sais pas. Mais je pense prendre les petites promos, puis après on verra pour les grosses. Tout ça dans le but d'arriver à 2000 DS pour juillet. Donc il reste tout le mois de mai, tout le mois de juin. Mai, juin et. Et après, on arrivera en juillet, début de célébration. Normalement, c'est un compte à rebours avant les 3 ans, avec des tickets pour invoquer. Donc, sur les portails avec des LR, hein, bien sûr. Ce sera très intéressant. 20%, c'est très peu. Ouais, 20%, c'est vraiment peu. Malheureusement, on est souvent obligé de se contenter de ce qu'ils nous donnent. Hein, On est obligé de se contenter de ce qu'ils nous donnent. Alors ça fout les boules, hein, on est d'accord. Surtout quand tu vois les prix, surtout quand tu vois les prix sur la version Jap, et que les joueurs nous disent pas ouais mais sur la version Jap, c'est la version Jap. C'est pour les Japonais, ils ont moins, c'est pas le même tarif ni un. Ta gueule. C'est les joueurs du monde entier qui jouent la version Jap. Alors arrête de me dire Japonais machin ni un. Ta gueule. Non mais. C'est juste qu'ils prennent les joueurs européens pour des pigeons, c'est tout. Salut Hellfire de Cannes. Ah, les taxes. Les taxes, alors que le mec qui est en France qui achète 28 euros son pack de 91 DS. Hein 29 euros le pack de 91 DS sur la version Jap. J'y ai joué pendant un an et demi la Jap, je sais de quoi je parle. Hein, Salut Hellfire de Cannes! Oui, la TVA européenne, ouais, la fameuse TVA européenne. Bah, moi ça va tranquille, j'espère que tu vas bien aussi. En tout cas, c'est fouillé de notre gueule. C'est vraiment là-dessus, hein, c'est vraiment sur les prix qu'il y a vraiment la plus grosse différence sur le jeu. Et malheureusement, après t'as les petits enfants traducteurs à payer. Ouais, bah vu comment ils traduisent, personnellement. La localisation, ils l'ont remboursé depuis longtemps, hein, je te le dis. C'est oui, la traduction s'appelle une localisation, hein, que ce soit en vocal ou à l'écrit. Ils ont même pas de voix, etc. Donc, une localisation écrite, ça coûte pas grand chose. Hein, surtout qu'il n'y a pas 30 millions de textes, hein, c'est pas un RPG quoi. Regarde Final Fantasy Brave Exvius qui est un RPG, il est totalement traduit en français et ça coûte pas plus cher. Hein. Ça coûte pas plus cher. Sur la Jap, il y a très très peu de chance, Hellfire Dokkan. C'est vraiment un truc pour les 3 ans. Hein. C'est un truc exceptionnel pour les 3 ans. Je pense pas qu'ils vont revenir. Hein. Il y a très peu de chances que ça revienne, en tout cas, enfin, que ça revienne, hein, je te le dis. Pas pour te décourager, mais... Je pense que t'as plus de chances de te taper un hérisson que le portail qui revienne, quoi. Tu vois ce que je veux dire, proportionnellement, c'est chaud, quoi. Donc on part pas Square Enix à Bandai, eux, ils ont une vraie équipe derrière.
Ouais, enfin, Square Enix, je suis désolé, Fat Chocobo, hein. Square Enix sont capables aussi de faire de la merde, hein. La preuve, ils ont fait FF15. Donc, ils sont aussi capables de faire de la merde, hein, Square Enix. Non, parce que moi, j'ai mis 1000 putains de DS. T'as mis 1000 DS et tu l'as pas eu? Bah, vous voyez, 1000 DS et il l'a pas eu, c'est possible. C'est possible. Le débat qui n'en finit jamais. Non, mais c'est pas ça. C'est que il y a aucune entreprise de jeux vidéo qui est irréprochable. Ils peuvent faire des très très bonnes choses sur certains trucs et faire de la merde à côté. C'est pour ça que moi je suis pas un fanboy. C'est-à-dire que comment expliquer? Moi c'est pas parce que j'aime un jeu que je peux pas critiquer la société qui a merdé sur un jeu à côté, quoi. Tu vois? Et c'est pas parce que moi j'adore Dokkan Battle qu'il y a pas des trucs à critiquer. Il y a des choses qui sont critiquables. Le prix des DS pour ce que c'est un scandale, quoi. Pour du pixel d'aussi mauvaise qualité, ça reste un scandale. Tu vois ce que je veux dire? Le jeu est cool, le jeu est fun, tu t'amuses, machin. Moi j'ai passé des centaines d'heures dessus, donc mon level le prouve, hein. Mais ça reste un jeu que je me permets de critiquer. En tant que client qui paye, je me permets de critiquer les choses qui vont pas, à mon goût. Tu vois? Après c'est une question de point de vue, hein. Moi après, si vous venez sur mon live, enfin voilà, quand vous venez sur mon live, vous attendez à ce que je donne mon avis. Donc voilà quoi. Le pire alors c'est Coff, Pilaf, EDS. Ouais mais ça reste des trucs. T'es pas obligé de les prendre, je veux dire, vraiment, tu vois les. Ces merdes là, si tu les prends, bon bah c'est que t'as choisi de le prendre, et après à ce moment-là, bah. Si t'es assez con pour prendre ça, c'est ton problème, quoi, je veux dire. Tu vois. Tu t'amuses pas selon Crane. Bah Crane il pense ce qu'il veut, je m'en branle, Chris. Crane pense ce qu'il veut, hein. J'en ai rien à foutre, quoi, tu vois. The Last of Us 2 est bel et bien confirmé pour le 3 2018, la hype totale, mais tellement. Normalement on va même avoir du gameplay. On va même avoir du gameplay de The Last of Us 2. Tu sais Chris, j'ai pas besoin qu'un youtubeur me dise comment vivre ma vie, hein, ni comment penser, ni que penser, etc. Tu vois, c'est moi je m'éclate, hein, sinon je le ferai pas. Hein. Merci Ketsunan, merci pour le follow. Bienvenue à toi, bienvenue à la communauté. En même temps, il arrêterait d'invoquer sur toutes les merdes, qui passent. Il serait peut-être moins déçu aussi, lui, hein. Parce que il y en a, c'est Jean-Michel Rivol, mais lui, c'est Jean-Michel Invocation, quoi. Tu vois, c'est un invocateur pour compulsif, quoi. Il peut pas s'empêcher d'invoquer, le mec. C'est ouf, hein. KH3, tu peux le mettre en. En intégralité. Bon, excusez-moi, il y a bataille de clébards dans ma rue. Je coupe un peu le micro. We'll be right back.
Salut Ryux! Sans en sait rien, mais d'après ce que j'ai vu, ça va lui faire du bien. Je connais cette sensation de paix tout le monde, déjà qu'est-ce qui vient de passer. De quoi? J'ai pas compris, Fatikobo, je sais pas de quoi tu parles. Je sais pas de quoi tu parles. Merci Valf35, merci pour le follow. Bienvenue à toi, bienvenue à la communauté. Alors je suis vraiment désolé les gars, je sais pas du tout de quoi vous parler, j'ai pas vu de. J'ai pas regardé de vidéo de Crane. J'ai pas de vidéo de Crane, j'ai pas vu la vidéo dans laquelle vous parlez. Infalz, merci pour le follow. Allez, deux fois en même temps, merci les gars. Donc je sais absolument pas de quoi vous parlez les gars, je suis désolé. J'ai pas du tout vu la vidéo dont vous parlez. J'ai regardé ça, on en parlera demain si vous voulez, mais pour l'instant je peux pas trop en parler vu que j'ai pas vu. Hein. Je saurais pas quoi vous dire là-dessus. Enfin si c'est plus leur nicherie habituelle, on est habitué quoi, Osef. Hein. Ça va. En crit, le Goal SJ2, miam. Ouais, non, ça sert à rien de monter si j'étais là. Dis-moi, tu vas faire un stream dès que The Last of Us 2 sortira, car moi je me lâcherai pas heureusement. Ouais, mais alors, le problème avec The Last of Us, c'est que je risque de le faire one shot. Je risque de le faire. En général, quand je joue à ce genre de jeu, je l'ai fait one shot. Donc je sais pas si je vais le streamer. Ou alors, ça sera un stream 24h, ou ce sera un stream jusqu'à la fin du jeu, du début à la fin. Donc malheureusement, pour les gens qui sont pas capables de rester. Pendant 24 heures, ça va être compliqué pour suivre. C'est vraiment pas le genre de jeu que je fais en 3 mois, quoi. Tu vois, je veux dire, ça en général, ce genre de jeu. Donc, je vais l'acheter Day One, hein, The Last of Us 2. Mais je pense le faire one shot. Donc, je pense le faire en peut-être. Enfin, je sais pas combien de temps il va durer, hein, sa durée de vie. Mais en général, The Last of Us, tu peux le faire en 12-13 heures, quoi. Donc. T'as quand même beaucoup plus de difficultés en free to play, je trouve, que t'as plus de hype. De quoi vous parlez? Mais ça, c'est personnel, les gars. C'est soit vous avez envie et vous mettez de l'argent, soit vous voulez pas, vous en mettez pas. Chacun joue sa partie comme il l'entend, quoi. Là, je farme juste les DS. J'ai encore deux missions à faire, je crois, pour avoir les DS des quêtes. Il me reste encore deux runs et j'aurai la dernière DS. Mais free to play ou pay to play, c'est chaque. Moi, honnêtement, ça fait bientôt 3 ans que je joue à Dokkan.
J'ai été free to play pendant presque 2 ans. Maintenant je suis pay to play. Chacun fait ce qu'il veut, on s'en branle, collègue. Franchement, hein, chacun fait ce qu'il veut sur le jeu, quoi. Il n'y aurait pas de pay to play, il n'y aurait pas de joueurs qui payent, il n'y aurait pas de Dokkan Battle. Tu vois, il n'y aurait pas de Dokkan Battle s'il n'y aurait pas des gens comme moi, comme des gens comme qui mettent de l'argent sur le jeu. Il n'y aurait pas de Dokkan Battle, ça n'existerait pas. Tu vois. Qu'est-ce qu'il nous a dit, qu'est-ce qu'il nous dit notre ami Reaper? Bon, je vais me le mettre sur Google Translate celui-là parce que j'ai pas compris toute sa phrase. J'ai pas compris la fin de la phrase en fait. Donc, j'ai compris qu'il est parti en rendez-vous avec sa gonzesse et son beau-frère. Ok. What? Why? Why the Reaper? Why? Qu'est-ce qu'il a vu? Niveau DS t'es bien. Ouais mais niveau DS je suis bien parce que je me prive. J'invoque pas sur tous les portails qui passent quoi. Tu vois je veux dire je me prive hein, sur Dokkan. Hein. Il y a plein de portails où j'invoque pas hein, les gars. Lyon le bilingue. Non, mais là par exemple, je comprenais pas la fin de sa phrase quoi. Je comprenais pas la fin de sa phrase et je comprends pas pourquoi il m'a écrit ça. Non, mais j'ai plus de team. Bah non, c'est Barfas. Je fasse une team bouffe. Ça par exemple c'est un truc qui me fait chier sur Dokkan Battle, on devrait avoir plus de teams, tout simplement. Rebaleine. C'est comme même. Ah, comme même, putain, mais non, c'est pas comme même. Quand même, quand, QAND, pas comme. La douille par rapport au développement du jeu et des attentes que l'on peut avoir, et en général, ça arrive tard, voire jamais. Et c'est quoi le rapport avec la hype de free to play, etc. Enfin, je comprends pas ton discours. Explode. Ah, putain, par contre, comme même, t'aurais été à côté de moi, tu prenais une baffe. Hein. Oh putain de merde. Moi non, moi elle me fait toujours le même effet cette expression. Je préfère de très très loin. Merci Explode. Merci beaucoup d'avoir corrigé. Oui, bien sûr, je préfère quand bien même que comme même. Non mais comme même, sérieux, c'est hallucinant. Hein. Alors, par contre, je vois pas pourquoi tu dis ça au niveau de la douille par rapport au développement du jeu, des attentes que l'on peut avoir. Le problème, c'est qu'il faut pas attendre énormément d'Agacha. Agacha, il faut le prendre comme un passe-temps, un petit passe-temps
Faut le prendre comme un loisir. Il faut pas le prendre comme un truc compétitif. Faut pas le prendre comme un jeu vidéo normal. C'est-à-dire, faut pas oublier qu'un gacha peut s'arrêter du jour au lendemain. Bon, là, on est sur une grosse licence. Il y a très peu de chances que ça s'arrête avant un certain temps. Tant qu'ils n'ont pas exploité la licence jusqu'au bout, tant qu'ils feront des millions, des dizaines de millions de... voire des centaines de millions de dollars, vous inquiétez pas, ils vont pas tuer la poule aux œufs d'or. En tout cas, on en a encore pour 2-3 ans, voire plus, hein, à jouer. Par contre, au niveau du jeu en lui-même, il faut pas en entendre grand-chose. C'est-à-dire qu'il faut prendre le jeu comme il est et pas en espérer trop. C'est sûr que si t'as des attentes de ouf, sur ce genre de jeu, bah t'es ultra déçu. Ça c'est une certitude. Hein. Mais après c'est exactement la même chose que sur les, tu sais, les jeux en early access par exemple. Un jeu en early access, c'est quoi? C'est un jeu qui est pas encore terminé, où tu participes au développement du jeu via de l'argent que tu donnes, hein, que ce soit pour les le prix du jeu en lui-même ou pour les extensions, parce qu'en général ces jeux-là ils ont des extensions payantes, hein, ils sont pas bêtes, hein, ils profitent un peu. Et en plus de cela, ben voilà. Par contre, là, c'est légitime d'attendre des choses. C'est ultra légitime d'attendre certaines choses. Chose qui, bien souvent, n'arrive jamais. Comme Seven Days to Die, comme Subnautica, comme Fort, comme je sais pas, je joue à plein de jeux en Early Access, hein, donc The Arbillions. Enfin voilà, je joue à plein de jeux en Early Access. Jeux que j'ai payé, c'est des jeux qui sont pas finis, quoi. J'ai payé pour un jeu pas fini. Donc voilà. Là par contre tu peux être déçu. Parce que le jeu il se développe pas dans de la façon dont tu le désirais. Ou alors il se développe pas du tout. C'est-à-dire que toi t'as payé comme des millions de personnes qui ont payé, et le jeu, le développement s'arrête. Je trouve que t'exagères disant que les évolutions n'arrivent jamais. J'avais dit que les évolutions n'arrivaient jamais. Il dit que parfois ça peut arriver. Parfois il n'y a pas d'évolution. Ouais, mais tu peux pas. Alors tu peux pas dire que parce que dans Oxygen, Not Included, ça avance de ouf, que tous les jeux avancent de ouf. Malade. Comme le contraire, c'est pas parce qu'un jeu n'avance pas que les autres n'avancent pas. J'ai pas généralisé sur le coup. J'ai dit parfois. J'ai bien utilisé le terme parfois. Parfois ça n'avance pas du tout. Et là tu peux être déçu. Par contre, Dokkan, c'est Dokkan, quoi. Tu sais très bien comment tu te... Par exemple, j'attendais beaucoup du Dokkan Battle, du gameplay. Le gameplay du Dokkan Battlefield, tu peux dire merci à la communauté, hein, parce que le gameplay était très bon. Et il a été totalement foiré parce que les gens n'arrivaient pas à jouer. Et du coup, ils ont foiré le truc. No Man's Sky, il aura fallu 2-3 ans après sa sortie pour que ce soit mieux. No Man's Sky, c'est un truc à part encore. Parce que No Man's Sky, quand il est sorti, logiquement, c'était un jeu fini. Donc là, c'était plus une arnaque qu'autre chose. Les mecs ont menti à l'E3 en sortant un jeu pas fini du tout, où ils avaient fait que de la merde. Par contre, là, je suis en train de faire de la merde aussi, je suis en train de faire l'event Dokkan, bon, c'est pas grave. Et du coup, c'était encore pire. No Man's Sky, c'est pire, je trouve, encore. No Man's Sky, je me suis pas senti... J'ai pas été déçu, hein, je me suis senti volé par No Man's Sky. Ah, No Man's Sky, c'était une arnaque, hein, une arnaque totale. Hein. Attends, la prochaine match... Ouais. Et la prochaine mage, la différence c'est qu'au moins sur No Man's Sky, les mages sont gratuites. Hein, c'est pas des DLC, ce sont des mages, ce sont des mises à jour du jeu. Et heureusement d'ailleurs. Hein. C'est ça qui est dommage, ça relancerait le jeu de ouf. Ouais, moi j'avais aimé, hein. J'avais aimé le gameplay du Battlefield. C'est plutôt War Defense sympa. Ça a changé. Le Battlefield actuel de la Jap me plaît pas du tout. C'est OZEF, totalement OZEF.
Il n'y a pas de changement de gameplay, on continue toujours à faire la même chose. Et c'est relou. Sauf que les gens, bah, les gens étaient mauvais et n'y arrivaient pas. C'est ça d'avoir un jeu japonais non traduit où les gens ne comprennent pas le jeu quand ils y jouent. C'est-à-dire que si les gens qui traduisent ne comprennent pas les subtilités, bah, personne ne comprend. Voilà. Et ça, c'est le défaut de la version japonaise. Parce que vous passez le rêve, hein, la version japonaise, si t'as pas des posts Reddit, si t'as pas des trucs qui expliquent comment le jeu y joue, personne ne sait y jouer. Hein. Allez, Goku, mets un petit crit là, qu'on voit ce que tu vaux là, Goku SG3ZTUR, deux doublons. Bim, 1 622 272. Yes. Pourquoi tu veux Steven? Parce que j'ai glissé, je me suis trompé, puis j'ai cliqué sur un autre bouton. Je voulais faire le stage 1, je me suis trompé, j'ai fait le dernier stage. Ah, c'est pas grave. Pour le fun. Je suis totalement planté de boutons, hein. C'est juste pour ça que je fais ce stage-là. J'étais en train de parler, j'étais pris dans mon discours et du coup, bah, j'ai cliqué au mauvais endroit. Et du coup, ça fait un combat avec une team que j'utilise très peu. Mais pour une fois, bah, le combat, on peut l'utiliser. Enfin, ce sera un plus long combat, quoi. Merci à Dead51 pour le follow. Merci à toi, bienvenue dans la communauté. Bienvenue parmi nous. Bienvenue chez les fous. D'ailleurs, pour tous les nouveaux hein, qui sont actuellement sur le live, n'oubliez pas de rejoindre le Discord. Vous pouvez demander à Wizbot le Discord ou alors cliquer sous la vidéo sur le lien ainsi que la chaîne YouTube où je mets les rediffs de live etc plus les trucs à part comme par exemple le live de dimanche sur le Day to Die. On va faire une petite série comme ça de vidéos. Merci pour la bite Del51, merci à toi et coucou. Comment vas-tu? Bon, il tank hein, Goku hein, quand même, mine de rien. 1 560 000. Il fait le taf, hein, il fait le taf. Good thanks. 3 400 000. Il fait pas semblant, hein. Gotenks. Gotenks se retient pas. Bon, du coup, il reste deux jours pour le portail. Enfin, deux jours, ouais. C'est pas demain, c'est après-demain. Donc, il reste deux jours pour le portail Jiren. Donc, nous, on se reverra demain soir, hein, de toute façon, sur le portail. J'espère vraiment, vraiment que ceux qui vont. Ils vont tenter leur chance, vont le drop. Hein. Je vous donne toute ma luck. Moi, je n'invoquerai pas. Donc, je vous donne ma luck hein, pour ceux qui vont invoquer sur Jiren demain. Après-demain, plutôt, excusez-moi. Vous voyez, hop. Je vous envoie toute mon énergie pour ceux qui vont invoquer. Moi, personnellement, je n'invoquerai pas. Je garde mes DS pour les 3 ans, tout simplement. On va essayer de monter à 2000 DS. On va monter à 2000 DS. Et on va essayer de claquer 1000 DS par portail. Ou en tout cas essayer d'avoir les deux LR. Perso en free to play ça va être chaud. En free to play tu peux être monté à plus de 1000 DS hein, pour le portail des 3 ans. Salut Aratas, comment vas-tu? Je connais plein de free players qui ont plus de 1000 DS hein, c'est juste qu'ils invoquent intelligemment. Donc les mecs sont pas trop cons quoi tu vois. Dis-moi les 3 ans qu'on se fasse plaisir. Ah mais tellement. Bah ça va tranquille Aratas, on est en train de farmer tranquillement les DS. Il nous restait quelques DS à récupérer en faisant les events là, les events à la con, faire 10 événements de clan, tout ça, j'avais pas encore fait. Du coup je récupère les DS là actuellement. C'est toujours ça de bon à prendre. J'ai déjà récupéré 3-4 là.
GG Baleine. Du coup, donc moi, le jour de Jiren, je ferai les événements d'Okan. J'irai d'Okan caler Coliflac et Fla. Et j'irai tout de suite après farmer les Kachikaching avec des persos d'Okan. Comme ça, on aura plus de bonus. Et normalement, on dédrop un peu plus. Hola, que tal, Astro? Alors, moi, j'ai fait la même, mais avec les missions en deuxième, c'est plutôt bien. Commencer à stack quand on est débutant. Yes, bah oui, Aratas. Estoy francés. Hablo un poquito espagnol. Alors, on va mettre un petit coup de pointoin à lui. Hop, par contre, dans cette rotation-là, ce qui est chiant. C'est que... Hablo, habla, habla, un peu plutôt. Ah ça va, j'ai dit un petit peu les gars, on se calme. Hein. bonsoir tout le monde, Rang 624, t'es chaud toi? Un petit peu. Le mec se taille sur son accent. Non mais tout le monde taille tout le monde sur les accents. Et les mecs sont des chèvres. Donc ça ne fait plus rien. Ça ne fait plus rien. ouais sauf que moi c'était moi le bahut c'était il y a 17 ans Aratas hein. Non, le bahut c'était il y a 20 ans. Hein, donc je suis désolé, mais. Moi ça remonte loin, hein, mes cours d'espagnol. Hein. Je les ai pas fait hier. Hein. Et en plus j'avais raison. Putain, Aratas, espèce de vieille chèvre. Merci Vodzar, merci, c'est gentil. En plus j'avais raison, hein. Putain, mais les mecs ils viennent. Les mecs ils viennent me critiquer alors que c'est moi qui avais raison, putain. Espèce de vieille chèvre. Bonne chance à toi. Bonne chance pour quoi? Non, il a passé son oral, ça y est, il a fini. Il a fini son oral. GG à toi, Mozart. Bordel de merde. Ah les mecs, j'ai une communauté de chèvres, bordel. Putain, je vais partir jouer à God Simulator. Moi. Bon, du coup, on peut aller chercher notre petite déesse. Non, c'est loin qu'on va tromper le mouton. Tu blagues, mais God Simulator est terrible. Ah, mais chacun s'éclate comme il veut, hein, Wisp. Y'a pas de soucis, hein, si t'aimes les chèvres. Moi je critique pas, hein. Moi j'aime les animaux morts, donc tu vois, à partir de ce moment-là, tout est faisable, hein. Tout est faisable. Mort et empaillé de préférence. Ça peut être fun. Alors non, mon chat ne s'appelle pas Biscotte, hein, par contre. Je vais tout de suite. Bon, si une fois que c'est empaillé, ça sent pas mauvais, hein, Ratas. Hein. On est sur un stream tout public, il est trop tôt pour que j'en parle, Whisper.
Moi, le prof de Khan qui est à 4 DS parce que ses fils de. Les nerfs m'ont tout volé. Ah bah ça. C'est pas gentil. C'est pas gentil. Babalabadalala. Ouais, c'est ça la question, t'as claqué 1000 DS Je vais me sentir bien en PV si tu veux, avec une chèvre empaillée de préférence. Ou avec de la paille. Ou avec de la paille, on fera le reste. Tu peux venir sans la chèvre hein, si tu veux. Par contre, il faut crier, Salut Zalashnikov. Quand même 1000 DS de farm pour rien au final, ça fout le seum. Ouais, mais t'as quand même eu beaucoup de persos à côté, t'as pas vu que. T'as pas eu que les SR, c'est pas possible quoi. Ah! Nouvelle tendance de Zalashnikov. Est-ce que c'est diffusable, très cher ami? Avant de le balancer sur mon live. Parce que les tendances de Zalashnikov sont pas toujours diffusables, hein. D'ailleurs, Zalashnikov est notre spécialiste des tendances, hein, très chers amis. Ah, 3 multis en SSR, donc ça fait quand même pas mal de SSR en stock, le Fire Dokkan. T'as dû bien te gaver. Allez soft, ok. Et il me dit elle est soft et c'est là qu'il me sort, c'est le fistage au poulpe. Alors tu prends le poulpe, tu l'entoures autour de ton poing avant de te le rentrer dans le... Ah apparemment il y a une faille pour avoir des sacs de... Quoi? Non, c'est juste Zalashnikov que c'est SR garanti depuis quelques jours sur la version japonaise, c'est tout. Ah oui, c'est du fake. Info fake, les infos fake de Zalashnikov. Ah, je préférais la raille de coq dans l'anus de la prostituée. Mais après, chacun ses goûts. Deux doigts de fraise, deux doigts de chocolat. T'as essayé sur la jappe, c'est ça, Zalashnikov? Merci, Baby932, merci pour le follow, bienvenue à toi! Un petit Vigilante CG4 qui vient s'ajouter à ma collection. GG, le Fire Dokkan, GG. Ah mais on veut du soft, pas du fake. Ou alors quand c'est du fake, on veut du sensationnel. Tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs en parlant du VTL CG4, parlons du Tiamol bien, se porte bien, du coup Jean. Il se porte plutôt bien mon SSJ4, hein. D'ailleurs j'ai fini Battle Road en AJ avec mon Vegeta SSJ4. Non mais c'est comme pour le BDSM, on dit pas trop fort mais en vrai on aime que se faire défoncer la tronche. Voilà, bon, Baleine nous explique pourquoi il sera pas là dimanche prochain, puisqu'il va se transformer en chose répugnante, qui va se faire déglinguer par un dominateur SM appelé Igor. Oui, je l'ai eu, hein. J'ai mon Vegeta SSJ4. Et ouais, mec. Il a le droit à un nouveau tag, Baleine, la sodomite. Non, mais de toute façon, c'est.
Nous, dans le milieu, on l'appelle la crampe, hein, baleine. Donc, pour ceux qui connaissent la crampe, c'est baleine. Alors, pour la référence, hein, vous irez chercher la crampe. Alors, du coup, ouais, voilà mon végétal SG4, il est là, il est tout beau, tout propre, voilà. Il est tranquille. Alors, Fistyland, c'est le nom du parc d'attraction. À la limite, baleine peut être fisty. Et encore, lui, il se fait plutôt se fister, pour le coup. Ah, mais bien sûr, Speedy, ça. Quand même! Bon, par contre, c'est de plus en plus compliqué d'en trouver en ami leader. Merde! Oh, mais quelle connerie! Oh là là là! Et à chaque fois, je fais des conneries comme ça. Bon, là on part du coup avec juste Vegeta. Aujourd'hui c'est la troisième ou quatrième boulette que je fais dans le même sens. Hein. Par contre, sans blague, au Portugal, la tendance depuis ce début d'année serait de se faire couler du ciment sur le pénis en érection. Ce serait un substitut Viagra temporel. Ok. Je préfère ça, Salachnikov. Je préfère ça que tes histoires de SSR garantie qui pue le zob là, tu vois, c'est. Au moins, ton annonce, elle pue le zob, mais on sait pourquoi. Bon. On va quand même partir en spirou au moins avec lui. Bon. Ah bah tant que tu l'as qu'en tête, ça va, oui. Si tu l'as pas ailleurs. Pas très pratique, c'est dans les endroits où il y a du monde en tout cas. Bref, hein, c'est surtout que. Voilà, bref. On va pas étayer sur le sujet. Hein? Que même! Jiren, c'est le 15! C'est le 15, Salachnikov! Le 15! Demain, nous sommes le. Non, Jiren, c'est le 16! Putain, mais je sais plus! Vous faites chier! Non, Jiren, c'est le 16. C'est le 16. C'est le 15 dans les news, donc c'est le 16. Ah. Voilà, c'est ça. C'est marqué 15, donc c'est le 16. Bref, de toute façon moi j'invoque pas dessus, hein, je vous l'ai dit. Je n'invoque pas sur Jiren. Grand-père! Donc on va retourner une dernière fois dans les infs. Alors, campagne, ouverture du tournoi du pouvoir, préparez-vous pour le tournoi du pouvoir, blablabla. Jiren fait son apparition. Donc Jiren fait son apparition ici, sur ce portail. Donc c'est le 15, et donc ça arrivera le 16 chez nous. Quelle erreur de pas invoquer dessus si Jiren quand même... Ouais, mais Jiren reviendra en septembre sur le portail de Vegeta, et là j'invoquerai dessus. Pourquoi tu veux pas claquer une ou deux multi dessus? Parce que j'ai déjà calé Caulifla et Kefla avec trois doublons. Et que j'ai pas envie d'avoir des doublons supplémentaires sur ces cartes-là, puisque ça va être des cartes qui vont tomber
assez régulièrement, vu que ce sont des cartes hors détecteur, et que à partir de septembre, il y a les SSR hors détecteur garantis. Donc ces cartes-là, donc les Calais, Colliflat, etc., etc., on va les monter comme ça de cette façon-là. Donc ça serait bête de le faire là, sur ces portails-là, avec les SSR garantis, alors qu'elles sont toutes les trois sur le détecteur. Hors de question que j'invoque là-dessus. Si vous voyez le cheminement de ma pensée. Faut penser à ça aussi, hein. À partir de septembre, on aura SSR garantie. On aura SSR garantie dans les multis. Certainement comme sur la version japonaise. Donc si c'est le cas, d'accord, mais je vois, mais si on l'a pas, ce serait correct. Si on les a pas, ce serait correct de les faire. Donc. Ça, c'est vous et votre bourse, hein, c'est vous et votre stock de DS. Hein. Moi, personnellement, je pack pour les 3 ans. Et c'est pas négociable, je pack pour les 3 ans. Et donc, tous les portables qui arriveront avant les 3 ans, je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles. Ah, ah, je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles. Ah, ah. Si vous voyez ce que je veux dire. Bon, faut vraiment que je fasse un tri dans cette putain de liste d'amis. Je suis désolé les gens, mais là c'est plus possible. Hein. Je sais pas ce que vous avez fait, mais. Va-t'en toi. Va-t'en. Hop. Fusu. Nabil. Bah Nabil, désolé, hein, j'aime pas ton rosé. Cloud. Pourquoi pas. Patrick! Patrick! Attends, Patrick, attends. Tu sais, je sais pas, on s'en fout. Alors, Berserker, c'est du LR, on garde. Grenoub, bon, moi, c'est la famille, on garde. Et Bégito, bon, on va garder lui parce qu'on peut faire le machin. Toi, t'as pas de nom, tu t'en vas. Face Hunter, bon, il est en train de faire son event donc on garde. Hirt, je l'aime bien lui, on garde. Tonga, non, je t'en vois. Itokiri, au revoir. Kayusuke, attends. Joey Wong, au revoir. Un courageux, je le garde. Alors lui, je m'en fous de son leader, mais vu qu'il est courageux, je le garde. Comme ça, voilà. DBDBDBD, on s'en fout. Jean, on garde. Majax. Bah, Majax, c'est un gars du live, on va garder. Baleine bleue, bon, bah, on garde. Toi, t'es qui? Bon, toi, t'as pas de nom, ça m'énerve. J'aime pas les gens qui ont pas de nom. Le mec a une new Végéto 100%, lequel? On s'en fout. Bad machin, désolé. Ah, je m'en fous, j'aime pas les végétaux. Sparang, il fait chier, Sparang, avec son truc pourri là. Ça je garde. Hop, ça on vire. Aucune idée, Ratas. Aucune idée à ratage, je saurais pas te dire pourquoi. Greken, ok. Toi, bah du coup, tu t'en vas. Hein. J'en ai marre des gens qui font n'importe quoi avec leur leader. Snow, on va garder du coup. Neft, c'est quelqu'un du live, je crois. Hein. Ouais. Hugo, c'est quelqu'un du live, c'est Hugo Go. Vodzar. Bon, bah Vodzar, on garde. Coup, on garde, ça on garde. GT, ouais, on va garder. Peut-être il va Dokkan Sakefla demain. Joey, bon, bah, tu sers à rien. Jean-Michel Kai, on s'en branle. On commence à me casser les couilles des gens qui mettent leur LR tout moisi. Slat Timinat, ton pseudo m'énerve. Ça c'est fait. Blue, bon, bah, Blue c'est Blue.
Lui, je le garde. Ouais, non, toi, tu m'emmerdes. Ça fait trop longtemps que tu me fais chier, toi. Ah, avec tes rosés 100%, tes machins de merde 100%, j'utilise jamais. Yukang, je sais pas quoi là, tu veux dégager. Hop, tu dégages. Pour ceux qui veulent des rosés 100%, les gars, je vous montre. Ah non, je peux pas vous montrer l'idée. Non, je peux pas. Je peux pas vous montrer son idée. Hop, donc bah va-t'en. Va-t'en. Hop. Ah si, il y a l'idée. Ah bah, vous ferez un screen. Non, vous pourrez voir l'idée. Ok, du coup on est où? Bubs, Jean-Michel Bubs. Bubs, c'est quelqu'un du live, je crois. Et le ZTUR, on va enlever aussi. On n'aura pas besoin pour l'instant. Il n'y a pas de nom, on s'en fout. Bubs, c'est quelqu'un du live, je crois, non? Bubs, es-tu là? Bubs, es-tu dans les BDL? Non, il n'y a pas Bubs. Il n'y a pas de Bubs. J'ai pas de Bubs. Bon. Bon, y'a pas de Bubs. Hein. Hop. On vient. Si j'ai un jeu plus cocu Ultimate Hornet, est-ce que je peux mettre les N dessus pour monter? Oui. Alors, son arbre, non. Le Spedis, oui, mais pas l'arbre. C'est de ma gueule. Regarde ce Bub. Bon, bah on a fait le tri. Par contre, Hugo, toi qui viens souvent sur le live et que tu regardes les rediffs, hein, je sais que tu regardes les rediffs, Hugo. Putain, mais si tu découpes pendant 13 heures et que tu veux pas que je te vire, enlève tes merdes là. Casse les couilles. Hein. Tiens, The Omega. The Omega 37, il vient sur le live aussi. Bande de branleurs. Putain. Sparrand pareil. Non, Sparrand, il est au boulot. Sparrand, il est en plein examen. Par contre, il était connecté il y a 18 minutes. Hein? Il se fout de ma gueule. Bon, on a fait le ménage. On a fait le ménage, ça c'est fait. Il est américain, Ratas. Il y a 7 heures de décalage, 8 heures, 7 ou 8 heures là où il est. Hein. À ton avis, pourquoi je me fais chier à parler en anglais à Ratas? C'est pas pour parler des belgo-turcs, hein. Juste que les mecs sont américains, tu vois, c'est pas le choix, quoi, tu vois, c'est... J'ai quelques viewers qui habitent aux États-Unis. J'ai quelques viewers qui vivent aux États-Unis. Qui sont américains, hein, tout simplement. Et ouais, je pèse dans le game. J'ai 2 viewers américains, les gars. Yo, Dax. Faut invoquer, bah, c'est toi qui vois. Hein. C'est un bon portail. J'en dirai pas plus, parce que moi personnellement, je n'invoquerai pas dessus, mais c'est un bon portail. Donc j'espère que vous chopez du lourd, les gars. Pour leur demander de ramener un hot dog fourré. Bah ils viennent pas en France, hein, ils vivent là-bas. Hein. Je vais mettre 100 DS, puis voilà. Bah après c'est ton choix, hein. J'espère que t'auras du lourd, du très très lourd. Je souhaite à tous ceux qui vont invoquer d'avoir du lourd, les gars. Je suis de tout cœur avec vous. Non, c'est des Américains, ils vivent là-bas aux États-Unis, ils viennent pas en France. Genre du lourd, on pourrait avoir quoi en lourd? Bah, Jiren. Jiren ou Goku Ultra Instinct. Voilà les 2 cartes lourdes qui sont sur le portail.
Après, le reste, ça reste des cartes qu'on reprend à la masse, enfin, en grosse quantité plus tard, donc c'est beaucoup moins intéressant. Y a que Jiren et Goku hein, qui sont intéressants sur le portail. Hein, Le reste, Kale, Kafla, Kolifa, vous les aurez gratuitement quand vous invoquerez sur d'autres portails plus tard. Hein. Je vous le dis, hein. Ces personnages-là, à terme, on les aura à 100%, hein, les Kafla, Kale et tout le bordel. Donc... Après, c'est comme vous voulez, hein. Ça reste un bon portail, un très bon portail. Par contre, Jiren reviendra en septembre sur un portail, c'est garanti. Donc c'est pas la première fois, enfin ce sera pas la dernière fois que vous verrez Jiren sur du SR garanti. Et on reviendra sur le portail avec Vegeta. Donc le portail est très intéressant. Mais qui vous a dit que le portail était moins intéressant que celui de Jiren? Je comprends pas ce que vous racontez là, les gars. Les persos n'ont pas encore eu leur Dokkan, mais faut pas oublier que Goku Ultra Instinct il est resté 6 mois sans être Dokkan, les gars. Vous me faites rire. Dans ce cas-là, Goku Ultra Instinct n'était pas intéressant il y a 6 mois. Parce que Goku Ultra Instinct est sorti en décembre, hein. Et il va être Dokkan en mois de mai, hein. Tu vois, c'est. Salut, je voulais juste te demander s'il y a moyen de farm les médailles vieux Kaioshin. Yes, il y a moyen sur les event médailles, tout simplement. Tu peux farmer ça sur les event médailles. Ah si, tu dis apparemment les portails LR sont moins intéressants que Jiren. Je vois pas en quoi les portails LR, donc avec des LR comme son nom l'indique, hein, seraient moins intéressants que Jiren. C'est pas... C'est ouf, hein. On est d'accord, Kazan, on est d'accord. C'est rare de choper. Il faut prendre les capsules dorées, Kidza. Il faut prendre les capsules dorées. Donc je te conseille les techs. Les techs sont assez simples à avoir, je trouve. Enfin, sur le. Pour farm sur les vieux caillots. Moi je farmais sur les médailles tech. Et en fait, dans le chemin du milieu, tu peux choper deux capsules. Doré, et t'en as une après le boss. Donc tu peux calculer pour au moins avoir tout le temps celle après le boss, tu vois. Le portail c'est pas demain les gars, le portail c'est le 16, encore une fois. C'est toujours le lendemain des portails annoncés en heure PST. Ah, c'est fatigant. Salut Redskerf. Ouais, je sais, hein, mais ça fait. Le problème, c'est que ça fait depuis 2 mois que je répète la même chose. Ça fait 2 mois que je répète la même chose. Moi, ça va être un peu fatigué de devoir répéter la même chose encore et encore. Je sais très bien que j'ai pas la visibilité des youtubeurs qui font des millions de vues. Même si maintenant, il n'y a plus personne hein, qui fait des millions de vues sur Dokkan Battle. Hein, c'est fini, hein, faut pas se leurrer.
Mais il y a trop de gens qui s'improvisent roi du Dokkan, alors que c'est juste des mecs qui savent pas jouer, qui comprennent rien au jeu. Ça commence à être triste, ça commence à être très très triste. Je suis désolé, mais comparez jamais vos box à celles d'un youtubeur, les gars. En tout cas, pas les youtubeurs qui gagnent de l'argent avec YouTube. Tu as eu un vidéaste qui a arrêté là? Je comprends pas, je sais pas de quoi tu parles, Ratas. Je sais absolument pas de quoi tu parles. Tout le monde me parle de la vidéo de Crane alors que j'ai pas vu la vidéo, donc je peux pas vous dire, à moins que ce sont ces chouinements habituels, et là, Osef, mais je peux pas parler de la vidéo que j'ai pas vue, Ratas. Je peux pas en dire plus. J'ai pas vu sa vidéo, j'ai pas vu sa dernière vidéo, je regarde pas ses vidéos, j'ai pas d'alerte quand il fait des vidéos. Donc là, je vais devoir aller chercher la vidéo pour voir de quoi vous parlez. Et si vous voulez, on en reparlera demain. Mais aujourd'hui, j'en sais rien. Aujourd'hui, je ne sais pas de quoi ça parle, etc. Donc je peux pas me prononcer sur les choses que je ne sais pas, les gars. Je suis désolé. J'irai regarder la vidéo tout à l'heure en faisant caca et ensuite on en reparlera. Kaioken. Message suffit pour lui dire que tu lui chies dessus. Alors j'ai absolument rien. Alors je vais le redire encore une fois. Je n'ai absolument rien contre la personne en elle-même. Par contre, je trouve que ce qu'il fait, c'est de la merde. Mais la personne, je n'ai absolument rien contre cette personne. J'ai aucune animosité envers lui. Je n'ai aucune violence gratuite envers cette personne. Par contre, la plupart de ses vidéos que j'ai regardées n'apportaient rien pour moi à la communauté Dokkan, et voire pire, c'était pas de bonne qualité et c'était pas le bon message à véhiculer, pour moi. Après, ce n'est qu'un avis personnel. Chacun regarde ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Et moi, pour que je regarde ce genre de programme, j'aime bien être au bon endroit. Encore une fois, je répète, je n'ai rien contre cette personne. Je regarde un let's play, par exemple, avec Joueur du Grenier. Crane est dedans, je le trouve très bien, il est très drôle, ça se passe très bien, j'apprécie la vidéo alors que Crane est là. Donc je n'ai rien contre la personne, c'est juste ce qu'il faisait sur Dokkan ne me plaisait pas. C'est tout. On a le droit d'avoir des... On a le droit d'avoir des goûts différents, hein. On aura l'air des goûts différents. Après, systématiquement, quand il y a quelque chose qui se passe pas bien avec lui, il crache sur le jeu. Donc, pour l'instant, c'est ce qu'il y a eu à chaque fois. Donc là, je peux pas vous parler de la vidéo, je ne l'ai pas vue. On en reparlera demain si vous voulez. Je peux pas dire qu'il a tort ou qu'il a raison, je sais pas ce qu'il a dit. Donc on verra demain. Après le live, j'irai faire popo, je prendrai mon téléphone ou ma tablette, je regarderai la vidéo de Crane, et puis demain on débriefera ça si vous voulez. J'ai toujours dit ce que je pensais sur tout, hein, donc c'est pas maintenant que je vais m'arrêter, les gars. Enfin, quand on me pose la question. Si on me pose pas la question, je vais pas forcément aborder le sujet. Il a vu que la question a été posée plusieurs fois. Je sais pas, Balen, apparemment il aurait fait une vidéo comme quoi il arrêterait, donc j'ai pas vu de vidéo, je suis pas abonné, donc je n'en sais rien.
C'est depuis le début du live, on parle, enfin les gens ne parlent que de ça. Hein. Je sais pas si t'as remarqué, mais on parle de cette vidéo depuis, ça fait presque 2 heures que les gens me parlent de cette vidéo. Donc moi j'en sais rien. Ça fait plusieurs fois que je répète que je n'ai pas vu la vidéo, que je sais pas ce qu'il a dit dedans. Bah moi j'ai pas vu non plus, hein, donc c'est pour ça que je peux pas dire, je peux pas faire de commentaires sur cette vidéo. Nos commentaires. Je ne l'ai pas vu. Je la verrai tout à l'heure et on en reparlera demain si les gens veulent. Mais pour l'instant je ne peux pas en dire plus. J'ai même pas vu que les gens parlent de ça. Ah bah ça fait presque 2 heures, hein, Valen, que les gens parlent de ça. Il y a plusieurs fois qu'on fait la référence à ça, donc je connais pas le personnage perso. Bah écoute, moi j'ai regardé d'autres vidéos que les vidéos Dokkan Battle, j'ai trouvé plutôt sympathique. Par contre sur Dokkan j'aime pas. Sur Dokkan j'aime pas du tout. J'aime pas ce qu'il fait sur Dokkan. J'aime bien ce qu'il a fait avec JDG, mais après le reste, voilà, sans plus quoi. Quand on apprécie quelqu'un, on n'est pas obligé d'apprécier l'ensemble de son œuvre. Hein. Alors là on a été quasiment 30 toute la soirée. Pourtant, voilà, le dimanche, on a fait un Let's Play Seven Days to Die, c'était pas du Dokkan Battle, on était pas 30, on était 10-15. Voilà, donc c'est pas... voilà. Genre, les gens apprécient ce qu'ils apprécient, c'est tout, on les force pas. C'est parce que si les gens aiment bien quand je parle de Dokkan Battle, ils n'aiment pas forcément quand je parle d'autre chose, quoi, tu vois. Donc, pour moi, c'est la même chose, hein. Il y a des choses que j'aime et des choses que j'aime pas. Médecin, quoi? What? Putain, mais là, les gens, putain, ils se foutent de ma gueule. Ah, les messins, ok. Yo, concours, viens toi. La vidéo, la question de sa vidéo, c'est qu'est-ce qu'il y a de bien dans Dokkan Battle à part les cartes à invoquer? Putain, s'il se pose cette question-là 2 ans après qu'il a invoqué et qu'il a fait 30 000 vidéos, et là il faut se poser des questions. Enfin bref, on va pas publiquer. Je vais regarder la vidéo puis après on en reparlera. Parce que là ça va pas. Je peux pas. Là de but en blanc, je vais dire de la merde. Il se m'énerve déjà. Une personne sur 10 000. Moi je pense que c'est un peu plus quand même, hein. Mais bon. Yeah.
En fait, je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'il ne comprend pas en fait sur Dokkan Battle, puisque lui il voit ça d'en haut de sa tour d'ivoire. Il y a pas de, il y a pas de proximité apparemment avec sa communauté. Regarde, regarde le délire qu'on s'est tapé nous pendant le tournoi. Hein, nous pendant la, pendant la, le tournoi, on s'est fendu la gueule quoi. La Dokkan pêche, la Dokkan forme depuis que Vegetaboo est tombé sur la jab. GG, tu l'as eu concours? Est-ce que tu l'as eu? Si oui, GG à toi. Sinon, bah GG à toi quand même. Il y a l'histoire des amis aussi, mais je vois pas le problème qu'il y a avec personne. Non mais bref, de toute façon, je regarderai la vidéo avant d'en parler. Et puis, si vous voulez, demain on fait un débrief de ça. On fait un débrief de cette vidéo. Moi je m'en fous, hein, honnêtement. J'ai rien à perdre à en parler. Non mais la liste d'amis par exemple, moi je suis d'accord qu'il y a un problème avec la liste d'amis. La liste d'amis elle est dégueulasse, elle est merdique. Ça, mais ça, ça fait deux ans que je le bats, je le dis quoi, tu vois. Et pourtant je continue à jouer à Dokkan. Hein, Et après c'est un choix, chacun fait ce qu'il veut. Hein, s'il veut arrêter, il arrête. Hein, Par contre, cracher dans la soupe en partant, je trouve ça moyen, si c'est le cas. J'ai bien dit si c'est le cas, on s'enflamme pas. GG, GG grand concours. Moi je vais l'invoquer aussi, hein, le Vegeta, quand il arrivera sur la globale. J'invoquerai dessus, ça sera l'occasion d'avoir Jiren, hein, s'il tombe. En plus, c'est SSR garanti sur le portail. Donc c'est cool. Et du coup, dans les SSR garanties, t'as eu quoi de beau, grand concours? Dis-moi ce que t'as eu de beau dans les SSR garanties. Tiens, pour vu que toi tu le vis en ce moment. Alors, dis-moi combien t'as invoqué, puis combien t'as, du coup, qu'est-ce que t'as eu dans les SSR garanties du portail. Ça, ça m'intéresse par contre, tu vois. Ça, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Alors, t'es clic. En quoi elle est merdique? Elle est trop restrictive. Elle est beaucoup, beaucoup trop restrictive, Aratas. Et du coup, et du coup, ça t'empêche de jouer toutes les cartes du jeu, toutes les cartes que t'as invoquées. Et ça, c'est fait exprès, hein, c'est pour que les gens continuent à invoquer encore, encore et encore. Puisque tes leaders actuels, enfin tes leaders que tu avais, comme les Goku, etc., tu ne peux plus les jouer. Malheureusement. C'est des cartes que tu ne peux plus jouer. À moins de passer par des forums et de s'organiser. D'ailleurs, les gens, on va commencer à s'organiser, hein, après les 3 ans. Pour les gens qui n'auront pas les LR, on va commencer à s'organiser. Entre nous, et mettre des on va tous se prendre en ami en fait, et on va se mettre en relation comme ça, pour pouvoir avoir des leaders jouables. Je suis en train de préparer ça, d'ailleurs, faire une liste de gens avec une liste de leaders qui sont joués. Alors, Bardock Timebreaker, Vegeta Blue et Super Baby 2 en 100 DS. Bah, super. Super. Faut les farmer en Z Hard, Ryux. Mais je te conseille de les farmer à partir du 16, hein, par contre. Je te conseille de farmer à partir du 16 après avoir Dokkan. Enfin, si tu as calé Caulifla Kefla, hein, t'auras plus de pourcentage de drop. Si tu le sais, tu pourras Dokkan caler Caulifla Kefla. Et dans les personnages à bonus, plus la rareté est élevée, plus le bonus est intéressant. Ah, t'as rien, ok. Bon, dans ce cas-là, ouais. Dans ce cas-là, c'est pas le souci.
J'espère vraiment que le Battlefield va débouler sur la globale. J'aimerais bien aussi grand concours. Vous en pensez quoi du futur Dragon Ball? Bon, j'en pense pas grand chose, Gazol. J'aime pas ce genre de jeu, donc c'est pas mon trip, et donc j'en ferai pas en live et je n'y jouerai pas. Moi, ça fait longtemps que j'attends ça. Ça fait un an que je suis prêt pour le Battlefield. Hein, donc, tu sais. Et encore, hein, ils l'ont rendu beaucoup plus facile que. Ils l'ont rendu beaucoup plus facile que la normale. J'aurais bien voulu le Battlefield V1, moi, pas le V2. Le V2 n'a pour moi aucun sens. Hein, je trouve ça complètement naze en fait. Tant pis, hein, ça sera du farm basique. Hein, tout simplement. On fera du farm basique. Malheureusement. En fait, pour le Battlefield, il suffit d'avoir. Il suffit de connaître quel perso on va attaquer, quel perso on va rencontrer, et de faire sa box en conséquence. Le V1 était top, hein. Moi j'ai vraiment aimé le V1 avec l'espèce de petit tower défense où tu perdais pas mal de persos. Et du coup ça le rendait. Moi c'est, personnellement ça rendait vraiment très intéressant le Battlefield V1. Le V2, bah je trouve ça aux F. Hein, je trouve ça aux F. Ils auraient pu rajouter. Ils auraient rajouté un morceau de l'histoire, c'était pareil quoi, je veux dire, tu vois, y a pas grand sens à ça. Il suffit de savoir quel perso tu vas affronter pour savoir quelle équipe faire. Tu prends un leader de chaque, enfin deux leaders de chaque et c'est parti avec les persos. Et tu roules sur l'event quoi. Je trouve ça dommage. Je trouve ça vraiment dommage. Mais bon, c'est comme ça, hein, ceux qui l'ont choisi, on n'y peut rien. Pas mal de récompenses quand même. Ouais, mais les récompenses c'est pas ce qui fait tout le jeu quoi. Je veux dire le gameplay, j'aurais préféré moins de récompenses à un meilleur gameplay quoi, si au pire. Mais bon, au moins on aura les commandos Ginyu à farmer, on aura le Goku Ginyu LR à farmer, on aura le Ginyu LR endurance à farmer. Voilà, il y aura des trucs intéressants à farmer, mais bon, après la façon de farmer reste la même finalement. Ou presque. Ils avaient dit que 2018 serait révolutionnaire sur Dokkan Battle, ben ouais, mais non en fait. Hein. Ils ont oublié que nous Français on sait c'est quoi une révolution. Baleine, t'écoutes vraiment en dilettante, et du coup à chaque fois que tu fais une intervention, t'es à côté de la plaque. On parlait de gameplay, Baleine. Je sais que t'es concentré sur Saint Seiya, mais quand même. On parlait du Dokkan Battlefield, Baleine. Mercredi le 16.
Bah ouais, bah du coup, le fait qu'ils ont fait Battlefield V2 à la place du Battlefield V1, au niveau gameplay, y a aucune révolution, hein. Malheureusement. De rien, frérot. Donc je disais que le gameplay, ils avaient annoncé des révolutions au niveau gameplay, au niveau du jeu en lui-même. Et on parle pas des ça garantit qui est une vraie révolution dans le jeu. Mais malheureusement, pour ce qui est du gameplay, c'est mort. Hein. En vrai, Colifa va être super intéressante maintenant qu'elle a un Dokkan. Bah, surtout qu'on va la retrouver sur tous les portails, hein, Kix. Hein, donc, on aura très très facilement la possibilité de la mettre 100%. Surtout qu'à partir de septembre, on aura SR garantie. Donc, on aura encore plus de chances. Encore plus de chances de la dropper. Hein, qu'elle est hors portail. Donc, Kale, Colifla, Kafla, Bardock, Timebreaker. Et d'autres persos comme ça vont être assez facilement à monter. Enfin, pour les gens qui invoquent sur les portails normaux, les Dokkan Fest. Hein. Moi, j'ai jamais invoqué sur un portail où Kafla, Colifla, etc. Je n'ai jamais invoqué sur un de leurs portails quand elles étaient dans le détecteur. Et pourtant, j'ai calé Colifla, Kafla. J'ai une calé 3 doublons, Colifla, 3 doublons. Alors que j'ai jamais invoqué sur le détecteur. Ça c'est en grande partie, le plus grand concours, c'est en grande partie à cause des joueurs qui jouent sur la version japonaise. Et qui du coup sont dépendants des traducteurs et des Reddits. C'est-à-dire que si sur Reddit ils n'ont pas compris une règle du jeu, si les traducteurs n'ont pas compris une règle du jeu, et ben les joueurs ne comprennent pas les règles du jeu. Et c'est pour ça que le Dokkan Battlefield, pour les gens qui se basaient uniquement sur les traductions et qui ne connaissaient pas le jeu du tout, ils étaient baisés, ils ont rien compris, et que du coup, les gens ont arrêté de jouer. Tout simplement. Et les gens se sont plaints que c'était trop difficile, qu'on comprenait pas, qu'ils perdaient tout le temps, etc. Alors qu'il fallait juste prendre la traduction et se faire soi-même la bonne idée du jeu. Et la stratégie à utiliser. Bah ouais, Aratas, les mêmes de Goku, hein, tout simplement. Celui-là, surpassement total, t'auras les boules de cristal. Voilà, la boule à 4 étoiles. Ouais, il y a en ce moment là, bah je viens de te le... Eh, tu te fous de ma gueule quoi. Putain, je vais le taper. C'est quoi ça? Putain de merde! Il y a un décalage souris, moi j'ai un décalage de même pas une seconde quoi sur mon live. Salut FDB, tu penses que je peux le faire? Non, il parlait de moi en disant qu'il vient du sud de l'Italie.
Bon, t'as de la chance que j'aime bien la quiche Lorraine. Demain, qu'est-ce qui se passe demain, FDB? Qu'est-ce qui se passe demain dans ta tête? C'est bon, on connaît maintenant, FDB. Bah, quoi? Qu'est-ce qui se passe demain? Je sais pas. Bah, non, Goku, oui, c'est pas demain, hein, FDB. Putain, les mecs, sérieux, hein. Les mecs, ils se prennent pour des spécialistes du Dokkan Game. Ils sont pas foutus de savoir quand est-ce que c'est un putain event, quoi. Je veux dire... Ah, bordel de merde, mais lisez les infos, bande de trous du cul. T'as lu ça où? T'as dû lire ça sur un groupe FB de merde qui pue la piste, là, hein. Ah, les mecs, ils se prennent tous pour les stars du Dokkan Game et ils sont pas foutus de savoir quand il y a un event, quoi. Bordel de merde, cassez les couilles. Monde de casu, bah t'en fais un mot de casu, tiens. Putain. Salut Abyss. Relion, il se passe quoi? Non, mais il se passe juste que les gens me fatiguent. Les gens me fatiguent, putain. Non, mais lisez les infos. Lisez les infos, s'il vous plaît. Ah, c'est pas compliqué, Il y a un ordre enragé, touchez pas ma Bulma. Mais tellement. Festival Dokkan du 15. Ouais, bah on est en PST, espèce de vieille chèvre. Donc c'est le 16. Non mais les mecs à chaque non mais c'est à chaque fois la même chose, c'est à dire qu'ils viennent sur mon live. Ouais, l'event c'est demain. Non, c'est dans 2 jours parce qu'il y a un décalage. Ok, merci. La semaine d'après ils reviennent. Hey Lyon, en fait demain tu invoques. Non, c'est dans 2 jours le portail. Ah ok. Mais c'est la même personne qui me dit tout le temps la même chose. Putain de merde. Ah mais hey, heureusement qu'on fait pas des trucs en live dans la même pièce, hein. Sinon, il y aurait des putains de tartes dans les dents, hein, je vous le dis.
Oh bordel de merde, ils font suer quoi. Virez-moi tous les trous du cul qui disent qu'ils vont mettre tous les personnages P7. Les fameux personnages P7. Oh putain. C'était magique. Hein. Le coup des personnages P7, c'était magique. Heureusement qu'il n'y a pas la cam, sinon on verrait la violence de la baffe. Tiens, regarde, regarde, Abyss, Phantom Portier, tu te rappelles? faut raconter la fameuse P7. Ouais, c'est loin. Ce serait trop long à expliquer en fin de live comme ça. Parce que là, oui, on arrive en fin de live, hein, les gars. Donc la P7, ce sera pour une autre fois. Non, j'avoue, je monte vite au créneau, mais enfin, je monte vite même pas. Hein. Ça fait trop longtemps qu'on me casse les couilles. C'est pour ça que ça part vite. J'en ai plus que 3. J'ai passé le Battle Royale en extrême. Puis GG. Demain après le débrief de post caca. Alors demain il y aura 800 DS sur le portail. Puis toujours pas un Broly LR. C'est le Netoday, c'était génial, hein, Abyss, on s'est bien marré. Les gens qui étaient là, qui ont vu le live, ont apprécié, donc ça c'est le principal. Et nous on s'est bien fendu la gueule, donc ouais, c'est nickel. Ouais. Dimanche prochain, on remet ça sur Seven Day dimanche prochain. Ah putain, le plus grand concours. T'arrêtes jamais toi. GG pour l'extrême puits. Non bah on peut le faire que le dimanche Seven Day to Die parce que il faut réunir tout le monde. Hein, il faut réunir tout le monde pour Seven Day to Die. Donc ça sera juste le dimanche en équipe. Parce que la journée forcément il y a le taf et le soir il y a Dokkan. Donc le 7 Day to Die c'est le week-end, donc c'est le dimanche. Alors peut-être qu'on fera samedi dimanche, hein, après faut voir avec les autres. Hein, ou alors le faire le samedi et dimanche autre chose, enfin bref. On verra ça pour au niveau du calendrier. Ok, plus grand concours, bah écoute, bonne soirée à toi. Et puis repose-toi bien et bon courage pour le taf demain. Ciao ciao. En tout cas, j'ai farmé comme un... Non, je vais même pas dire un farmer chinois, parce que les farmers chinois sont dépassés depuis très longtemps à ce niveau-là. Je voulais t'énerver entre temps que j'ai dépensé 800 DS sur le portail, puis j'ai échoué. Mais en fait, je vais pas m'énerver, parce que t'as claqué tes DS sur de la merde. Je veux dire, moi ou un autre, chacun fait ce qu'il veut, quoi, tu vois. Moi, comme j'ai dit, hein, c'est pas à moi de gérer les DS des viewers. Hein. Les viewers, ils font leur délire comme ils veulent. Moi, j'ai rien à dire là-dessus, hein. Si les gens, moi je donne les conseils, si les gens les suivent pas, c'est pas mon problème. Hein. Moi mon compte fonctionne très bien, j'ai pas de soucis avec ça. Si les gens font de la merde, ils font de la merde tout seuls. Je suis pas responsable. Hein. Facile de dépasser les farmers chinois, ils sont pas très grands, tout fait de mettre. C'est pas faux.
Il y a que le portail AJ où je vais faire une ultime et pas plus. Ouais, enfin, même le portail AJ, hein, à moins que tu veux vraiment SV ou un truc comme ça. Je vois pas vraiment l'intérêt. Hein. SV, tu peux l'avoir avec la DS. Les autres persos, ils reviennent tout le temps dans les autres portails, donc. On compte pas le nombre de rosés de machin qu'on a chopé. Enfin bref, après, chacun son truc. Hein. Demain, j'ai mon oral d'anglais depuis dimanche, je révise, mais il va falloir. Mais pourquoi j'ai l'impression de rien apprendre. Bah, je croyais que t'étais bilingue, ma couille. Bon, je vais mettre mon portable à charger pour pouvoir le prendre pour tout à l'heure. J'aimerais bien un doublon pour SV et Rosé. Je n'ai ni le AJ ni le puce. Ah. Après, c'est toi qui vois, hein, si vraiment le portail vous intéresse. En fait, c'est, voilà, comme je dis, si vous faites ce que vous voulez, quoi. Que je trouve ça worth it ou pas, ça ne doit pas vous empêcher de le faire si vous avez envie de le faire. Ou besoin, ou l'intérêt, ou que vous avez bien réfléchi, que c'est intéressant pour vous. Ah, faites-le, hein, après, ça vous compte. Bah ouais, et du coup, c'est pour ça que ça va passer tout seul. J'ai juste relu les documents et j'apprends les premières expressions. Eh bah écoute, bon chance, très cher Abyss, pour demain. J'aurai une petite pensée pour toi quand tu seras en oral. Je croiserai les doigts pour toi, ma couille. Si je fais ça, je veux... Si je fais ce que je veux, ça va partir à poil sur le live. Ah, mets-toi à poil sur le live, tu peux te mettre à poil en regardant le live, hein, y a pas de soucis, hein, moi ça me dérange pas. Et je pense que si tu te mets à poil, ça dérange personne. J'ai déjà fait des lives à poil, hein, je vous le dis. Hein. Sauf quoi qu'on fasse, je suis toujours à poil, moi, de toute façon. Hein. Avec la barbe que j'ai, je veux pas les enlever. Hein. Demain, 13h45. Ok. Ok, on note. Demain 13h45, moi je serai sur la route, moi, simplement. Bonsoir Diablo! Et bonsoir à tous! Diablo qui arrive en fin de live, malheureusement, qui arrive en fin de live. D'ailleurs, il y a pas mal de gens qui arrivent en fin de live, vu que je vois qu'on vient de monter à 27. Mais vous arrivez tout juste pour que je vous dise bonne nuit, en fait. Simplement, je vais finir mon ACT vite fait, hein, hors live, et je vous dis à demain. Donc moi je vous souhaite une bonne soirée à tous, mais il arrive toujours en fin de live. Bah ouais, je sais, il arrive toujours en fin de live, malheureusement, ou heureusement pour lui. Et peut-être qu'il supporte que 2 minutes de ma présence, hein, on sait jamais. Mais il supporte pas plus, peut-être pas plus que ça, 2 minutes, j'en ai assez. À 2 pieds. Oh bordel. Ah, je me fais mal tellement que drôle. Donc, je vous souhaite une très très bonne soirée à tous. J'espère que vous avez pris plaisir à partager ce live avec moi. On se retrouve demain pour du Dokkan Battle. On va reparler. Alors, demain, on reparlera de la vidéo, de la fameuse vidéo. Je vais la regarder ce soir. On en reparle demain, on débriefe ça demain. Je vous dirai ce que j'en pense, si j'en pense du bien ou pas. Je serai, comme d'habitude, franc du collier. Hein, pour les âmes sensibles, s'abstenir. Mais je dirai, comme d'habitude, ce que je pense. Donc, je vous souhaite une très très bonne soirée à tous. Quelle vidéo On la trouve facilement sur YouTube, bah tant mieux. On se retrouve facilement, c'est encore mieux.
Aujourd'hui, on m'a parlé beaucoup. Alors, beaucoup de gens m'ont parlé de la vidéo de Crane sur Dokkan Battle. Je l'ai pas vu, donc j'ai pas voulu faire de commentaire. Ce qui me paraît logique. Moi, si je vois pas un truc, je peux pas vous dire si c'est de la merde ou c'est pas de la merde. Ou c'est vrai ou c'est pas vrai. Je n'en sais rien, je l'ai pas vu, donc je sais pas ce qu'il dit. Et je voulais regarder la vidéo. Je voulais regarder la vidéo avant d'en parler. Donc voilà, maintenant je vais la regarder la vidéo vu que tout le monde m'en parle. Hein, j'ai même reçu deux messages Twitter pour deux personnes qui me demandent ce que je pense de la vidéo. Donc je viens d'en recevoir un à l'instant et un qui date de tout à l'heure. Donc pareil, j'ai reçu des messages sur Discord pour en parler. Je vais vous dire, tant que j'ai pas vu la vidéo, je n'en parlerai pas. Je vais regarder la vidéo, je vous dirai ça demain. Donc demain, on fera un petit débrief de la vidéo si vous voulez. Ouais, les gens sont spéciaux. Donc demain, on fera un petit débrief de la vidéo si vous voulez. Et puis sinon, pour le reste, ce sera du farm et du blabla comme d'habitude. Donc je vous souhaite une très 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 bonne soirée à tous. C'était Lionlord sur Dokkan Battle. Ciao ciao.